Et bonjour à tous, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le Valo Hebdo, mesdames et messieurs. Vous êtes déjà très nombreux, ça fait plaisir. Bienvenue à toutes et à tous. C'est vrai que la caméra est là-haut maintenant. Bonjour. Pipoto, Gastro, Feuille Blanche, comment ça va? Lotus, My Bad. Ça va très bien, merci à toi. Equino, la moustache de Bridge, la Papi, Pépi, Pietro, Juventus, Clanic Fan, MacBookler. Putain, vous êtes très très nombreux, vous êtes tous là. Kladze, Bra, Dieu de la Loose, Detonated, Vespi, Vespa, putain, je les ai tous vus. John Wix, Deadlock, Mon Amour, j'adore ce pseudo. Noah Sang, Malek, Spike Planted, Racket Igno, La Rirette, Le Grand Tout Sec, Jolte, Roboto. Allez, je vous fais tous. C'est bon. Et là, je crois que je vous ai à peu près tous vus. Je vous ai à peu près tous vus, Tricot. Bienvenue. Ainsi que ceux qui ne parlent pas, qui ne mettent pas de petites emotes dans le chat. Il n'y a pas de souci. Bienvenue dans le Valo Hebdo, mesdames et messieurs. Émission numéro 117, puisque c'est toutes les semaines le Valo Hebdo. Et oui, c'est hebdo, incroyable. Une émission en une heure et quart, où je vous concentre toute l'actualité de Valorant. Voilà, derrière cette avalanche d'icônes. Et du coup, vous allez pouvoir récupérer bien absolument tous les contenus, les leaks, les nouveautés dans le jeu, tout ce qui arrive, le merch également, quelques perles de la communauté, la scène internationale avec le mercato, la scène féminine, la scène masculine, la scène française également, des fois des invités, des rubriques e-sports, des petits jeux, des petits clips, voilà, et l'agenda de la semaine avec tout ce qu'il faut regarder ou tout ce qu'il faut jouer en Valorant si jamais vous en avez envie. Je m'étais pas rendu compte que c'était aussi dense ce petit mur d'emote du coup sur la scène d'accueil. En tout cas voilà, ravi de pouvoir vous retrouver aujourd'hui. Donc émission 117, nous sommes le jeudi 3 août. D'habitude, c'est le mercredi, hein, le Valo Hebdo, le mercredi. N'oubliez pas, on est en direct sur twitch.tv/lecylindre. Bien entendu, vous pouvez récupérer le replay de l'émission directement en faisant exclamation VOD. Voilà, merci Mademoiselle Sereine. Je ne vous ai pas salué d'ailleurs, ni Kenny, ni Wetfay. Bienvenue. Donc voilà. VOD pour récupérer les VOD YouTube. En général, il y a un petit peu de délai. Si jamais vous pouvez vous le permettre, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Twitch avec votre Prime. Si vous l'avez, c'est gratuit. Et avec votre abonnement standard, si jamais vous pouvez vous le permettre. Si vous ne pouvez pas, ce n'est pas très très grave. Mais sachez que vous pourrez récupérer directement les replays de l'émission quelques secondes après qu'elle soit terminée. Si vous m'en avez loupé un petit bout, pour ceux qui préfèrent l'audio, je sais que vous êtes assez nombreux, je publie le podcast, voilà, avec beaucoup, beaucoup de plateformes qui sont à disposition, mesdames et messieurs. Voilà, merci, Wetfay, exclamation podcast, tout à fait, pour aller chercher le contenu, c'est totalement gratuit, vous avez simplement à vous abonner sur Google Podcast, Spotify, Apple, Deezer, SoundCloud, Amazon Music, Audible, iTunes, beaucoup d'autres. Vous suivez ce lien-là, vous allez retrouver l'ensemble des liens, l'ensemble des plateformes sur lesquelles le podcast est gratuit. Vous avez simplement à aller faire votre petit marché, et puis voilà, c'est tout. Aujourd'hui, émission assez dense, hein. La semaine dernière, c'était un petit peu plus light. On avait eu le plaisir d'avoir Okai de la team Horizon. Il ne sera pas là aujourd'hui pour les soucis de planning. Mais je lui fais quand même un bisou. Et écoutez, on va avoir pas mal de petites choses à discuter. Je vous propose
de partir sans tarder du coup dans la première rubrique de l'émission, ce sont les news. C'est parti pour le jingle. Jingle des news, mesdames et messieurs, avec traditionnellement la version du jour, version 7.02. Aujourd'hui, on vient d'avoir un nouveau patch qui a popé normalement dans la nuit, au petit matin. Vous l'avez peut-être récupéré, mesdames et messieurs. On va détailler un petit peu tout ça ensemble. Ne vous inquiétez pas, je vais prendre le commande des différents assets. Je vais également faire comme ceci. Voilà, on va même faire comme ceci, comme cela, pour aller récupérer les infos. Elles sont d'ores et déjà prêtes, comme ça, sur le côté. Ça ira très vite. Patch 7.02, mesdames et messieurs, c'est parti. Avec quelques menus changements, bien entendu. On nous dit d'ailleurs, Joelen, voilà, de Riot nous dit, si vous aimez Deadlock, vous allez aimer la correction des bugs, voilà, qui affectait à l'annihilation. Sinon, Jett a de nouvelles choses à dire. Des petites répliques de Jett en interaction avec Gecko et Neon. Ça, c'est nouveau. On va avoir également, tiens, je vais pouvoir vous le montrer parce que j'ai un petit asset pour ça. Le hub e-sport, poit, le voici. Je le fais normalement, il est en loop. Ouais, c'est bon, il est en loop. Donc, hub e-sport, mesdames et messieurs, vous allez pouvoir suivre les Champions 2023 dans ce hub e-sport, point culminant de la saison 2023 du VCT, bien entendu. Également, voir tout ce qui va être e-sport Valorant avec les autres tournois majeurs, les Masters, les futurs lock-in, les tournois d'ascension. Vraiment, tout ce qui va être e-sport de haut niveau sera là. Ça va être disponible donc à partir du 2 août, c'est-à-dire hier. Les matchs commencent le 6 août pour les Champions, donc vous allez pouvoir vous régaler pendant 20 jours pour pouvoir aller chercher l'ensemble des matchs. Également, mesdames et messieurs, au niveau de... Tiens, pourquoi ça me la reset, ça? Pas que ça la reset. Au niveau du patch, justement, 7.02, analyse textuelle en ligne, en direct, lorsque vous jouez, lorsque vous tapez, etc. C'était en test du côté Nord-Amérique. Maintenant, ça passe à l'international, l'analyse textuelle, donc en temps réel, qui va vous permettre de bannir instantanément en vocal et en textuel, ça c'est important, la détection des chats du coup toxiques, tout simplement. Voilà, donc il y a eu pas mal de petits ajustements par rapport à ça. Riot a jugé que c'était tout à fait satisfaisant, et donc ils ont décidé de le roll out justement un petit peu partout à l'international avec l'aide de plusieurs nations. Et également, ils se basent, vous le savez peut-être, les amis, sur la liste des mots-clés que vous mettez en mots-clés bannis, donc qui apparaissent en étoile dans vos paramètres, hein. Vous allez dans interface, je crois, settings, interface, et vous avez accès comme ça, vous allez pouvoir taper un nombre de mots. Un nombre de tags, voilà, un nombre de mots spécifiques que le jeu va considérer comme toxiques pour vous et donc va vous les griser directement. Et je pense qu'ils se sont aussi un petit peu servis de ça pour extraire une base de données réelle de tous les mots qu'ils devraient automatiquement ban au début. On verra si ça va évoluer un petit peu après. Écoutez, mais voilà, c'est plutôt cool de ce côté-là, toujours réduire un petit peu la toxicité, notamment pour les parties casus, également à l'égard des joueuses et des genres marginalisés, pardon. Voilà, pas mal de petites choses comme ça qui vont se mettre en place dans le futur, c'est assez cool, j'aime bien, c'est gourmand. Des petits bug fixes qui ont été faits, la route graffiti qui a été un petit peu fixée également, l'animation du désamorçage, il y a eu pas mal de petites choses par rapport à ça aussi, des petits bug fixes au niveau des agents, au niveau surtout de Keio, de Omen, on a pas mal de petites choses aussi qui vont corriger et fiabiliser un petit peu les animations aussi de toutes ces espèces là qui n'étaient pas toujours au point.
Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous aviez aussi voilà, vu de vos yeux vus, mais sachez que hop là, allez, bougez pas, on va faire comme ceci. Les cartes correction de. Ah oui, correction d'un petit bug également au niveau de Bind avec le drone rapace de Sova qui coupait le son de la téléportation. Des petites corrections, voilà, de ci, de là pour le mode première et les skins Araxis qui ont été un petit peu corrigés. Voilà, la chroma était noire et blanc à la troisième personne, ça a été un petit peu fixé. Voilà, en gros, en synthèse pour tout ce patch 7.02, comme vous pouvez le voir, hop là, je vais vous le mettre en grand écran sur la, voilà, sur l'écran, hein, tout simplement, sur l'écran. Des décorations à l'effigie des Valorant Champions qui vont être visibles sur Pearl. Voici du côté attaque, du côté défense sur Split, la boutique, hein, toujours. Ascent avec le poster du musée et bien entendu, voilà la fontaine qui est bien décorée au niveau de tous ces champions-là. C'est assez sympa, c'est assez stylé. Petit retour également sur le lancement en Chine de Valorant, avec des chiffres que je vous avais apportés la semaine dernière, mais que j'avais trouvé très très intéressants. C'est pour ça que je vous les republie cette semaine. À savoir que le Valorant a été release le 12 juillet 2023, donc en Chine, et on a eu pendant les 12 premiers jours, donc jusqu'au 24 juillet, des analyses et notamment des moteurs de détection de cheat qui ont pas mal marché. Donc voilà, 349 nouveaux cheats qui ont été détectés. Un petit peu plus de 18 000 comptes bannis en 12 jours. Donc c'est assez important. Et on parle d'un petit peu moins de 7 000 PC, donc 7 000 cartes mères bannies. Pour pouvoir voilà, s'occuper de ça, c'est assez impressionnant. La volumétrie, justement, je ne sais pas ce que vous en pensez par rapport à ces chiffres, mais moi je trouve ça assez bluffant, finalement, assez intéressant, mais assez bluffant aussi. Stylé, ouais, vous êtes plutôt. Ouais. J'aime bien. D'accord. Bon, vous êtes plutôt positif par rapport à tout ça, en tout cas. C'est plutôt cool. Petite vidéo, alors très très rigolote, que j'ai mis directement dans le runner, juste avant de commencer l'émission. Elle m'a fait beaucoup rire et on va la regarder ensemble. Elle s'appelle Le Random. Je vous laisse découvrir ça, c'est en anglais, mais vous allez vous en sortir très très bien, vous allez voir. Don't watch Valorant Champions. Who am I? I'm the random, you know, from your games. I just changed those. But I need them. You think you were gonna learn from the pros? Just play with me instead. Sure. At Champions, you could pick up some lineups from Mako. Last player standing. But check this out. Yo, Brim, where are you, man? They're on the spike. Don't worry. I got lineups. Nice try. Oh my God. Oh my God. We both know trying is cringe. Brimstone, where are they? Brimstone. You know. Hello? It's not always about winning. Hello? He's behind you. He's behind you. Oh my. Bro, this random. It's about the teammates you let down along the way. Check out this 360 nose go. Yo, can someone buy me Om next round? Bro. Voilà, petite vidéo rigolote que je vous mets. Du coup, voilà, le The Random. N'oubliez pas de regarder les Champions. Je vous en reparlerai, bien entendu, un petit peu plus loin
dans l'émission. Petite friandise audio cette fois-ci avec Taking Away, le nouveau clip, le nouveau single musical justement, composé notamment par Gravitz, que je vais vous proposer de découvrir, qui est donc l'hymne des Valorant Champions 2023. C'est parti! Voilà, petit clip incroyable, Taken Away. J'ose à peine vous demander ce que vous en pensez, mais j'ai déjà vu beaucoup de choses. Justement, ouais, stylé, beaucoup de cool, très frais, BG. Il y a du canon, il y a du... c'est pas mal, en vrai, c'est cool. L'animation est incroyable, on retrouve un petit peu... voilà, tout ce qui... tout ce qui fait la musique standard de Valorant. Hello Jean-Claude, comment vas-tu? Jean-Claude Vandal, très très beau pseudo, bravo à toi. Donc voilà, Clipping, Taken Away, le nouveau clip. J'aurai l'occasion de vous le refaire réécouter, bien entendu, dans l'émission et puis sur les... sur mes petits reels Instagram, les shorts et les TikTok et compagnie, bien entendu. Mesdames et messieurs, dernier appel pour le pack Ignite, le pack Embrasement en français, avec
Voilà, le fameux éventail de mêlée, le voici. Et hop, on va même partir en plein écran, bam bam, avec un très très bel éventail. J'arrive plus à trouver mes mots. En plus, c'est incroyable. Deux couleurs rouge et or, ou deux couleurs silver et pourpre, les deux variantes du couteau de mêlée qui a été mis à disposition à l'occasion de la sortie de Valorant en Chine, avec une très très belle animation, bien entendu, des flammes qui s'échappent de l'arme lorsque vous l'inspectez, bien entendu, très très bel éventail qui a eu pas mal de succès. Vraiment pas mal de succès, je dois l'avouer, je suis assez surpris, assez agréablement surpris de ce succès. 4700 Valorant Points, vous allez pouvoir récupérer du coup ce pack encore pour quelques heures, puisqu'il quittera la boutique le 4 août, c'est-à-dire demain. Techniquement, vous avez deux jolies petites cartes aussi que je vous remets ici, qui sont magnifiques. À savoir que à côté de ce pack Ignite, on a toujours le pack Juste Retour 2023, donc disponible également jusqu'à demain, et qui vous permet, comme d'habitude, dans un pack avec des skins hétérogènes, de reverser la moitié des fonds que vous allez dépenser à des associations caritatives choisies par Riot. Dans le pack là, on va retrouver, pour rappel, la Spectre Recon, la Guardian Reaper, ou Pilleur en français, la Vandale Vengeance de Gaïa, et enfin le Shérif Mage Punk, avec bien entendu des graffitis, des Gun Buddy, également des petites cartes. Il me semble qu'il y a, voilà, il y a deux, trois petits titres également. Typiquement, c'est un beau geste. Si en plus les skins vous intéressent, bien vous pouvez les prendre toutes ou partie, bien entendu. Je sais que la Vengeance de Gaillet en Vandale, d'ailleurs, est très, très plébiscitée aussi. C'est pour ça que je me permets de vous la remettre sous le nez. En parlant de skin, ce qui arrive du coup le 4 août, vous l'avez compris, le nouveau pack de skin à l'occasion des VCT Champions 2023. On a le clip, on a les animations, on a tout. Je vous montre tout. C'est parti. C'est parti. Vous l'avez vu, une Vandale, très très belle Vandale. Je vous mets un petit peu les animations. Ça va très bien, mon cher Salva, et toi? Ravi de te voir dans l'émission ce soir. Bienvenido, bienvenido. La Vandale donc, avec une version de base comme d'habitude, des versions avec des levels, voilà, des petits VFX. Vous pouvez voir un petit peu tout ça. L'inspection également, inspection standard, hein, par contre. Là, vous avez l'enchaînement. Ouais, je me mettais pendant le finisher. Intéressant, c'est toujours dommage, on a toujours très peu d'occasions finalement de pouvoir admirer le finisher comme ça à l'intérieur pendant plusieurs secondes.
Voilà, 4 levels comme d'habitude. On a bien entendu voilà l'arme qui va s'illuminer petit à petit. Vous retrouvez également l'arme de mêlée, la dague courte. Une dague qui avait commencé à être... D'ailleurs, je vous retrouverai l'image de bêta de cette dague. Puisque je l'avais récupérée, je l'avais dataminée il y a un peu plus d'un an d'ailleurs dans le jeu. Je savais pas qu'elle serait, elle serait utilisée comme ça, mais elle était de couleur anodisée violette. Et donc voilà, dague avec une animation, animation de dague, un petit peu comme celle de Jet, vous savez, celle à l'effigie de Jet, Valorant Go, qui possède les mêmes levels avec voilà, les tours de la dague qui s'illumine en violet, c'est très très beau. Et la dague qui va donc évoluer au fur et à mesure des différents kills également. 4 levels comme d'habitude. Une animation plutôt simple hein, dans l'absolu, vous le voyez. Mais néanmoins satisfaisante. Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je suis extrêmement fan. Je pense que ça va partir sur un achat à partir de demain, donc hein, ça va partir sur un achat. On va voir un petit peu comment ça. Ouais, plutôt stylé. En vrai, c'est pas mal. Ouais, vous êtes plutôt convaincu. On va voir. Vous me direz si vous l'avez acheté au final. Donc voilà, Valorant Champions 2023, le pack qui s'accompagne également donc. D'une carte hein, que vous voyez à droite ici avec la coupe, la célèbre coupe du coup des Champions. Un petit gun buddy avec un fragment de radianite donc à l'intérieur d'une caisse avec les logos du VCT. On a également un petit spray avec Altego de Gecko qui emporte le spike, qui emporte la coupe justement comme il l'emporterait le spike. C'est un petit peu ça, le clin d'œil. Les Valorant Champions du coup arrivent, il y a encore du contenu, ça enchaîne et ça entraîne pas mal de petites choses et c'est tant mieux pour nous. Ça rappelle aussi le skin primordial, effectivement Jean-Claude Mandel, j'ai vu pas mal de parallèles avec ça, justement la forme notamment de la Vandale qui est pas très très loin, Skin primordial d'ailleurs, je vous rappelle, qui est l'un des packs qui a le mieux marché sur la planète entière. Il a été rebrandé. Je vous avais montré la pub il y a 2 semaines, justement dans l'émission, la pub chinoise ressortie, remasterisée un petit peu pour l'occasion. Ce pack qui a toujours énormément de succès et à juste titre. À juste titre, mesdames et messieurs. Donc, Battle Pass de combat à l'occasion des VCT Champions. Avec pas mal de petites choses, voilà, vous verrez pas mal de One More, vous l'avez compris, je pense, dans le clip de Grabitz. C'est un petit peu la phrase de ces Champions, et ça symbolise un petit peu le « Allez, vas-y, dernière petite partie. Donc voilà, pas mal de petites choses, il y a des titres. Il y a des cartes, il y a de la radianite, il y a voilà, le petit gun buddy poulpe comme ça là, qui est assez mignon, donc voilà, je l'avais mis je trouvais ça assez stylé pour du contenu donc qui devra arriver normalement à partir de demain. On devra avoir un petit patch voilà avec l'ensemble du contenu et donc pas mal de petites choses à acheter dans la boutique, plus des petites choses à gagner en jouant tout simplement. Des petites choses également à acheter, mais ce sera moins cher, c'est le marché nocturne, le Night Market, Mercado Noturno, en espagnol j'imagine, je ne sais pas, je ne parle pas espagnol, et ça va arriver par contre le 9, c'est-à-dire la semaine prochaine, le 9, mesdames et messieurs, ce sera le mercredi, donc mercredi pour la planète entière, c'est-à-dire jeudi matin pour la France a priori. Vous allez pouvoir retrouver pendant une vingtaine de jours voilà, le Night Market avec, comme d'habitude, 6 emplacements de skins au hasard parmi ceux que vous ne possédez pas et des réductions allant de 10 à 40, 50% par rapport à leur prix standard, ce qui peut vous permettre eh bien, voilà, de vous offrir quelques petits skins, on va dire, à moindre frais si jamais vous aviez envie de compléter votre collection, bien entendu.
Et en parlant de collection, la transition est toute faite puisque on a du nouveau merch et notamment du nouveau textile qui va sortir à l'occasion de ces Champions 2023. C'est vraiment le mot en fait, hein. C'est pour ça que je l'ai mis dans le titre et tout, c'est les VCT Champions 2023, cette émission. Vous l'avez compris, il y a tellement de contenu qui sort. Je vais vous montrer ça, il y a une petite vidéo de promo, là on va regarder ça. Petite vidéo de promo assez rapide, hein. Vous l'avez vu, mesdames et messieurs, des t-shirts, des hoodies, des casquettes comme d'habitude. On a même un maillot de basket, hein, tout simplement, qui est assez cool. Je dois l'avouer. Je n'ai pas forcément, malheureusement, le budget pour m'offrir. Du merch sans arrêt, mais si je l'avais, effectivement, je porterai les vêtements avec grand plaisir, avec grande fierté. Très 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 belle ligne. On verra si cela vous plaît ou pas. Dans les autres contenus, maintenant, Secret Lab, l'équipementier officiel en termes de bureaux et de chaises de bureaux, chaises de gaming, de gamers, nous propose, je vous la remets une dernière fois, sa version Titan Evo, donc la chaise hein, qui a fait sa renommée en version Jet et en version Rena avec les codes couleurs, bien entendu, un bleu clair et bleu foncé, Silver pour Jet. Bleu foncé, indigo, violet, gold pour Rena. Donc vous retrouvez vraiment les couleurs des deux agents duellistes du cul dans cette petite livrée de la Titan Evo de Secret Lab. Également acheté, ça va être dans quelques jours. J'ai trouvé ça sur le shop. Petite figurine de Rena là où on avait Jet et Phoenix, bien entendu, les deux égéries. Du jeu, on va retrouver une figurine de Rena. J'ai également vu passer une figurine de Killjoy. Les figurines sont assez onéreuses, mine de rien, mais je pense qu'un jour, je finirai par m'en offrir quelques-unes, bien entendu. Par contre, mesdames et messieurs, pour un petit contenu gratuit, rapide, et en plus assez rigolo, vous avez juste à vous rendre sur Prime Gaming et vous allez pouvoir retrouver le petit graffiti Malheur Partagé. Le voici avec le petit gecko hein, sur ma gauche. Vous liez simplement votre compte Riot Games et votre compte Prime Gaming et vous allez pouvoir, voilà, en un clic, faire un drop et retrouver tout ça sur votre jeu. Voilà, tout simplement. Et si jamais vous avez Prime Gaming que vous ne l'avez pas encore utilisé, n'hésitez pas à l'utiliser ici, sur cette petite chaîne. Voilà, petit hop, s'abonner, un mois gratuit, ça fait plaisir. Je vous en remercie une fois de plus, mesdames et messieurs. Du côté du calendrier, le patch 7.02, donc on est en plein dedans, il est live. Le patch 7.03 en bêta fermée va sortir donc demain. On saura à peu près ce qu'il va contenir. A priori, pas mal de petites choses, puisque c'est le dernier gros patch avant le patch 7.04 qui ne devrait être publié qu'une seule journée. Donc ça devrait être, on va dire, un micro-patch ou un patch un petit peu à géométrie variable. On va voir un petit peu de quoi il s'agit. Alors Jean-Claude Noël dit, les figurines, je ne me souviens plus, mais je crois qu'elles sont assez onéreuses. On est au-delà des 170-180 euros, je crois, par figurine. Me semble-t-il, mais tu en trouveras a priori au moins 3, peut-être 4, donc Jet, Phoenix, Rena et Killjoy. J'ai vu passer Killjoy juste avant de faire l'émission. Je ne l'ai pas mis dans le runner, mais je pense qu'on devrait pouvoir la retrouver facilement. Tout ça, bien entendu, sur la boutique du merch.
de chair à yacht. Si jamais vous y allez après avoir vu l'émission, n'hésitez pas à leur dire, alors je suis là grâce à Le Cylindre, hein, l'émission Valo Hebdo. Ça me fera un petit peu de publicité par rapport à nos amis de chair à yacht. Mon cher Jean-Claude Vandal, je t'y encourage. Hop là. 16.04, donc, on n'a pas encore d'horizon par rapport au patch 7.05, qui sera sans doute un petit peu plus loin, ça sera à la fin de l'été, etc. On verra un petit peu comment ça va se passer, mais on n'y est pas encore tout à fait. Cependant, on arrive bientôt à la fin de l'acte numéro 1, hein, qui nous a amené Deadlock, qui a commencé donc le 28 juin, qui devrait se terminer, voilà, aux alentours, je pense, du 29 août, c'est mon estimation. Acte numéro 2 qui devrait arriver, qui devrait sans doute nous faire revenir soit Icebox, soit Breeze, les deux maps qui ont été retirées, avec des petites modifications, sans doute. Et puis, l'acte numéro 3, donc, en début milieu d'hiver, qui nous amènera donc le dernier agent de 2023, un duelliste, ou une duelliste d'ailleurs, on ne sait pas. On est encore en train de chercher des infos par rapport à ça, mais on verra bien, mais justement, voilà, c'était il y a quelques jours, j'ai pu récupérer sur un compte d'un data miner et de quelqu'un qui est d'un dev assez proche justement de Riot, où on aurait un nouveau nom de code pour un agent. Ce n'est peut-être pas forcément le prochain, c'est peut-être juste une tentative, mais voilà, on a le nom de code Astéroïde qui a été lancé, donc quelque chose qui tend plutôt... Remarque, ça pourrait être un peu tout, ça, c'est un peu la vitesse, l'astéroïde, mais c'est aussi un petit peu le, voilà, la traînée avec les flashs, avec, ça pourrait être de l'initiation, ça pourrait être également de la smoke, donc y a pas mal de petites choses qui pourraient se cacher derrière ce nom de code-là, mais vous le savez, les noms de code sont toujours, surtout maintenant, un petit peu éloignés des noms d'agents finaux, donc on verra un petit peu ça. Hop là, dur de savoir quel pays. Bah ouais, carrément. Je vous parlais justement des maps. Icebox, on pourrait voir sa version 3 avec, voilà, des petites modifications ici du côté de la défense côté B et également du côté de l'attaque côté A, avec des caisses qui nous permettraient de monter sur toutes les hauteurs côté A. Donc un tunnel côté B qui nous permettrait de traverser plus rapidement pour aller sur le site pour la rotation. Également une petite caisse pour créer un nouveau défaut côté B, et puis une grande caisse également qui briserait la ligne de vue au niveau du mid. Ça, pour les snipers, ça pourrait être un petit peu plus gênant, ou en tout cas cette ligne sera réduite. Voilà ce qu'on a pour l'instant, des petits leaks qui sont sortis, des petites previews de développeurs. Encore une fois, ça peut être sujet à changement, vous le savez. Ce sont les choses qui arrivent petit à petit. En faisant un petit peu d'ailleurs le tour de la liste des choses que Riot nous avait promis au début de l'année, des choses qui pourraient arriver, notamment des nouveaux serveurs, eh bien, c'est un petit peu le cas en Asie, notamment pour la Chine. Également le fameux mode replay dont j'étais extrêmement, extrêmement sceptique. Et pourtant, il est arrivé. Je vous rappelle, je vais vous remontrer un petit peu la vidéo, mais il s'appelle Fearless Moments, donc un outil d'abord destiné au public chinois qui sera ensuite développé et déployé à l'international. On re-regarde hein, le petit film promo, c'est parti. We'll be right back.
Voilà, mesdames et messieurs, Fearless Moments, donc ce petit mode replay hein, que vous avez pu découvrir. Hop là, tiens, on va faire comme ceci. Que vous avez pu découvrir. Ouh, j'ai peut-être mon Twitch qui bug. On va voir. Ah, voilà, ça va mieux là. Ça va mieux. Donc, enregistrement, vous l'avez compris, hein, enregistrement en vidéo de tout ce qui pourrait se passer. Enregistrement également en 1080p, 60fps, 720, etc. En fonction de, j'imagine, des différentes options qui pourront être mises dans le jeu. Et puis, voilà, on va coupler un petit peu cet enregistrement vidéo avec les métadonnées du jeu pour pouvoir eh bien, vous permettre de savoir voilà, exactement à quel moment vous êtes à quel moment vous êtes mort, à quel moment vous avez utilisé telle ou telle compétence pour pouvoir eh bien, merger tout ça et faire un rapport un petit peu cohérent pour vous permettre de vous améliorer tout simplement. Nouvelle, non pas du tout nouvelle news, mais prochaine news, il va s'agir du fameux Valorant mobile. Oui, Valorant arrive sur mobile. Oui, je vous en ai parlé depuis, ça fait plus d'un an que je vous montre ce clip. Il faut que j'en trouve un autre d'ailleurs. Il faut que j'en trouve un autre pour que vous ne vous lassiez pas. Avec un gameplay donc mobile, mais très très proche hein, de ce qu'on pourrait, de ce qu'on pourrait attendre. Du jeu, donc extrêmement fidèle par rapport à la version PC aujourd'hui. Ça va apporter pas mal de petites choses intéressantes également. Voilà, une petite vidéo sur le Stream Deck. D'ailleurs, je vais augmenter un petit peu sa taille pour le Stream Deck. Voilà, donc la tenue, la prise en charge, la prise en compte du Steam Deck et du gyroscope surtout qui va être intéressante, qui pourrait être je pense aussi déployée sur mobile. Ça sans doute était d'ailleurs développé côté mobile avant d'être un petit peu plus voilà déployé côté autre plateforme. D'ailleurs autre plateforme, Xbox et PlayStation sont les prochaines plateforme du coup à recevoir Valorant. On avait eu des offres d'emploi hein, côté Los Angeles pour des ingénieurs consoles. On en a de plus en plus la confirmation avec de nouveaux boutons hein, qui ont été retrouvés dans les fichiers du jeu. Ici, vous avez les boutons PlayStation et les boutons Xbox One, donc PlayStation 4 et 5. Et Xbox One, bien entendu, du côté de Microsoft. Donc, pas mal de possibilités de ce côté-là. C'est plutôt cool. C'est plutôt cool pour tout ça. Les news maintenant, mesdames et messieurs, les petites news. Pas les news d'ailleurs, non, les petites perles de la communauté. D'ailleurs, voilà, je vais me rendre immédiatement ici. Et puis, on va se faire un petit F11. C'est où? C'est là. C'est parfait. On va aller se regarder ça en plein écran. En plein écran, mesdames et messieurs. Pap, pap. Voilà. On va faire comme ça. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? Ça ne marche pas encore. Ça va marcher. Ne vous inquiétez pas. Pouette. Parfait. On plonge en grand écran maintenant. Alors. Et c'est parti. Normalement, là, c'est bon. Avec un petit récap de la communauté, pas mal de petites choses. Et j'avais envie voilà, de vous le faire partager. Comme d'habitude, il y a pas mal de petites choses sympas. Là, on a un Yoru en cow-boy. Très, très stylé. Petite pub avec Neon. Très, très sympa. Très chibi. Ici, le fameux mème avec Deadlock et son ultimate, terrible ultimate de Deadlock. Voilà, pas mal de petites choses. Je vous laisse regarder un petit peu. Pas mal de mèmes, notamment. Très, très beau Cypher. Ici, on a le coffee shop. J'ai pas la ref de tous les de tous les mèmes, mais ça reste très très impressionnant ce que la communauté arrive à faire.
Beaucoup de cosplayers et de cosplayeuses, notamment. Voilà, je ne vais pas vous mettre les, je vais pas vous mettre les vidéos, mais voilà, pas mal de petites choses de ce côté-là. Hop. Dans les perles de la communauté, toujours. Voilà. Je vous ai retrouvé quelques bureaux de nos chers rioters, ben, l'ensemble des développeurs et des développeuses qui créent et qui contribuent à Valorant, au jeu, eh bien, ont des setups à la maison, et pour le télétravail, pour pouvoir créer les jeux, ou même League of Legends, eh bien, vous avez quatre rioters qui ont accepté de faire un cliché de leur bureau à eux, avec des ambiances très différentes, bien entendu. Beaucoup d'une ambiance assez sympa, hein, je dois l'avouer. Avec des bureaux de gaming, de gamers, des claviers, claviers séparés pour celui-ci. J'ai trouvé ça assez stylé. Et le triple écran, enfin ! Dernier petit clip rigolo que je vais vous proposer de regarder. Petite animation en l'honneur des champions. Allez, c'est parti. Come on! You have to defuse this, Leon. Hi! Here we go! Don't come back! Victory! You've got this! One more! The MVP is mine! Woo! We got this! Flash! Yeah! We've got this! Victory! One more. Let's go. Enemy spotted, A. Like clockwork. They're done. One more. Let's deliver another blow. Watch out. I am Prometheus. Cypher! Oh no, Invader is here to take our Radiant Knight. You. Damn. I'm sorry. I'm not scared. Yeah, okay. Great, perfect paranoia, and they're burning alive. And now move down. One at a time. Let's go. Standing tall. Pushes into the smoke. They have no idea about this. Who blinks first? Right next to Who moves first? They have no clue. This is just the beginning. How is he doing this? Time and time again. What do you say? One more. Breaking Optic's heart. I give him the ace. One more time. I go through anyone. Ah! End of story. Spectres, Stingers, but it might still be good enough if they can set up a decent execute. I could activate training mode if that's more their skill level. Over the ropes, how many players going across? Pure silence. No way! No, no way! Not like this! No way! I don't think we will ever witness anything like that. Last round in the half. Come on! Come on! Show yourself. His patience pays. Corner seems a bit more shallow. Hello? Close. I am so close. Turn around soon. Don't worry, guys. They say I'm a prodigy. This is it. Please don't mess this up. Please don't mess this up. I'm just going to tell you right now. Oh! No. Victory. I like this. One more. Voilà, petite animation très très mignonne, j'ai trouvé. J'avais envie de vous la partager, qui illustre bien effectivement le one more, le allez hop, une dernière, ok, allez. Bon, allez, pour terminer, voilà. Petite dernière, quoi. Petite dernière, c'est tout pour les news, les amis. On va pouvoir passer aux news de la scène internationale. Et puis c'est parti. News de la scène internationale, mesdames et messieurs. Qui
voilà, qui vont partir comme ça. Alors, il y a enfin un petit peu de mercato. Il y en a même pas mal. On va regarder ça ensemble. On va même regarder ça en plein écran. Voilà. Hop, 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 hop. Merci. Parfait. Parfait, parfait. Avec pas mal de mercato qui s'annoncent. Des contrats qui se terminent également en 2023. Donc, des places qui vont être à pourvoir. Bien entendu, dans le futur, toutes les lignes qui ont été surlignées en rouge ici, ce sont des personnes donc, dont le contrat va se terminer dans quelques semaines. Et donc, ils vont être possiblement remplacés. On a notamment 5 joueurs chez BBL, mis à part Brave. On va avoir 2 joueurs footballistes, hein, Moji et Mudge. On va avoir Milan côté, Milan côté Giant. Et puis, alors là, vous ne le voyez pas, c'est derrière le bandeau, mais Zeich du côté de Carmin Corp également, qui ne sera pas conservé. Vous avez peut-être vu d'ailleurs son tweet indiquant qu'il était LFT aujourd'hui. Également, c'est la même chose, mais pour la deuxième page, côté Team Liquid seulement, avec Yampi et Dimasic qui pourrait se retrouver dans une autre équipe, qui pourrait se retrouver à changer du côté du mercato. J'en dirai un petit peu plus quand on aura plus de news, plus de rumeurs au moins, mais du côté des chiffres, du côté de la réalité des contrats, ce qui va se passer. Donc on va voir un petit peu quels pourraient être les changements également par rapport à la réalité des résultats, côté BBL, côté FUT, etc. Même si FUT s'est bien passé, côté BBL, côté Carmine, côté Giants, etc. Comment on va se débrouiller, même si les Giants se sont plutôt bien démerdés. Vous l'avez compris. Côté Horizon Valorant, je me permets de leur récupérer leur news, et c'est pour ça que je les cite. Ils nous font un petit récap rapide d'à peu près le même tableau, à peu près le même constat, mais sur les deux autres continents, donc continent Amérique. On va avoir 4 joueurs de Loud qui sont concernés par des fins de contrat, également Tenz et Marvd côté Sentinels. Ça va être intéressant, notamment du côté audience, du côté représentation médiatique. Somme côté NRG qui va avoir son contrat qui se terminera également bientôt. Et puis Takolila, ça c'est chez Leviathan, Amérique du Sud, qui sera également bientôt en porte-à-faux. Côté Asie, ça va concerner Genji, 4 joueurs chez Genji. Erin également, l'import qui canadien, effectivement le joueur canadien qui va aller chez Global Esports, enfin qui est chez Global Esports et aujourd'hui qui apparaît comme inactif. On verra un petit peu ce qu'il en est. Et puis, intro également côté T1 pour la partie Asie. Voilà pour le mercato. Alors, en très très gros, des sièges qui pourraient bouger. Puisque les contrats, vous le savez, sont verrouillés assez fermement hein, sur cette ligue VCT continentale. On verra un petit peu comment ça se passera. Mais avant ça, on va parler des Game Changers. Game Changers, la scène féminine professionnelle, mesdames et messieurs, avec quelques petites news en plus que je vous apporte. Alors, plusieurs Game Changers, vous le savez, autour de la planète, je vous en parle en général assez peu, surtout de la partie Europe, mais on a quelques résultats qui sont tombés, j'avais envie de vous les partager, avec notamment le Japon qui vient de terminer son split numéro 1 et qui a donc vu les États Division féminines remporter la victoire. GG à elle. Également côté Nord-Amérique, et uniquement Nord-Amérique, hein, je ne parle pas de l'Amérique latine ou du Brésil, c'est Version 1 qui sont championnes justement du stage numéro 2. Elles sont au même rythme que nous, même rythme que l'Europe. Et justement, parlant d'Europe, retour sur la fin des playoffs de ce stage 2 où on avait plusieurs équipes, les KPI Shine, G2 Gozen, Tiger Anonymo, Odd One Out, BBL, Ascend, KZ et FUT. Je les ai cités dans le désordre, nos différentes joueuses.
Je vous ai remis un petit peu le bracket, voilà, pour que vous voyez un petit peu avec une très très bonne, très très bon début de winner bracket pour Ascend, mais qui se fait récupérer par G2. BBL également qui est propulsé dans lower bracket. Odd One Out qui fait une très très bonne remontée et qui va même aller corriger les KPI Shine et les caser Hydra pour s'incliner 2 à 1 dans un close match face à FUT Female. Finalement, de Ascend contre FUT, ce sont les FUT qui sortiront du lower bracket pour aller rejoindre les G2 Gozen en grande finale. Et les G2, les européennes, s'imposent 3 à 1 donc face à l'équipe FUT. Très très belle, voilà, très très belle performance une fois de plus des Gozen qui récupèrent un petit peu de leur superbe, même si elles étaient déjà. Même si elles étaient déjà voilà, très très comment dire, déjà au top niveau, au sommet de leur art, voilà, c'est un petit peu le mot que je cherchais. Elles sont donc une fois de plus championnes, championnes de ce stage numéro 2. Et donc vous récupérez pas mal de points. J'ai pris la peine de vous rassembler un petit peu voilà, les différents points, le classement avec la série 1, la série 2 et arrive en tête donc les G2 Gozen, 75 points, 55 points en deuxième position. Ce sont les Ascend Rising qui s'en tirent un petit peu mieux avec cette série 2. BBL Queens, très constante, 25 et 25, elles arrivent en troisième position. FUT Female, quatrième position uniquement grâce à la série 2. KPI Shine également qui fait son entrée, ainsi que Odd One Out en sixième et cinquième position respectivement. Tiger Anonymo, puis Kazé Hydra en 7ème position ex aequo. Les Guildes X qui vont rester en 9ème position, égalité avec la Carmine Corp, voilà, à 10 points du côté de cette fin de stage numéro 2. On a un petit peu plus de points de circuit distribués. Vous l'avez vu, et donc ça nous permet de, voilà, ça nous permet de savoir un petit peu où on en est et de connaître un petit peu le classement, de savoir également quelles équipes pourraient prétendre à monter au play-off ou pas. On n'a pas encore, les compteurs pour l'instant de quel sera le seuil à dépasser. On verra ça et une dernière étape va nous attendre. Quand on regarde un petit peu le calendrier, on vient de terminer le stage 2 donc des Game Changers EMEA. Sachez que les Contenders, donc la Div 2, est actuellement en cours de bataille. C'est la bagarre. On aura même d'ailleurs un jour de broadcast, ce sera samedi. Ce sera d'ailleurs le seul jour de broadcast puisque le dimanche ce sera le début des Champions, et donc place aux Champions. Bien entendu, vous pourrez retrouver le stage numéro 3 et la fin de cette saison donc des Game Changers EMEA notamment, et bien à partir de mi-septembre, un stage numéro 3 qui sera entrecoupé et allongé jusqu'à mi-fin octobre avec les Contenders, comme vous pouvez le voir. La destination ultime pour toutes ces jeunes femmes, ce sera les Game Changers de Sao Paulo, les Championships, les Worlds féminins, tout simplement, du 28 novembre au 3 décembre. On va retrouver le top 8 monde, justement, des équipes féminines, avec, comme d'habitude, deux équipes européennes, deux équipes nord-américaines, une équipe brésilienne, une équipe latine-amérique, une équipe Sud-Est Asie et une équipe Asie de l'Est, donc Asie-Pacifique, soit la Chine, soit la Corée, soit le Japon, pour les nations donc qui pourront avoir une de leurs équipes dans ces Champions. L'une des 8, on verra un petit peu comment ça va se plumer. J'espère que on aura de belles équipes, surtout on aura de belles représentantes de l'Europe, ce qui nous permettra, avec un petit peu de chance, d'aller une fois de plus récupérer la couronne, comme en 2022. Du côté Valorant Champions Tour, le grand circuit majeur, voilà, du côté du calendrier, il n'y a pas d'immense surprise, mesdames et messieurs.
Hop là. Voilà, je cherchais à faire passer les assets et c'est fait. On est à l'aube. Vraiment, on est vraiment, vraiment à l'aube des Champions de Los Angeles, donc qui vont se dérouler du 6 août au 26 août. C'est dimanche, hein. C'est techniquement dimanche, les amis. Voilà pour le calendrier. En gros, pour vous rappeler un petit peu que on avait parlé pas mal des VCT Ascension EMEA il y a quelques semaines, puisque ce sont les General Mates, je vous le rappelle, qui l'ont remporté et qui vont donc monter sur la Ligue supérieure l'année prochaine et pour 2 ans donc. Les VCT Ascension, je voulais vous refaire un petit point rapide sur quelles sont les équipes qui sont montées sur les 2 autres continents. Côté Asie, du coup, c'est la team Bleed qu'on connaît assez peu, team issue principalement de Singapour d'ailleurs, qui va pouvoir monter l'année prochaine dans le VCT Pacifique. Et du côté VCT America, c'est la team The Guard qu'on a notamment pas mal vu début 2022 hein, s'illustrer, qui va rejoindre eh bien, le reste de la troupe. Petit moment plaisir, j'annonce, mesdames et messieurs, avec une vidéo qui a été produite, réalisée et du coup diffusée par Riot pour le VCT EMEA. On va pouvoir rencontrer Natank, petit docu spécial zoom sur notre sur l'un de... Alors notre, c'est mon joueur préféré, mais ce n'est peut-être pas le vôtre. Mon joueur préféré des General Mates. Je vous propose de découvrir ce petit documentaire ensemble et maintenant. My name is Nathan Bokeo and my name in game is Natank. I'm Flex / support player for team General Mates and in VCT soon. I'm from the region Bretagne, and I'm from Rennes. The crepes are from there, so I love crepe Nutella a lot. I get introduced into video games by my brother Flavien and my dad. My dad is working on PC, like informatician. So there was some PC in the house, and my older brother was playing, so I was playing them. I think the first video game that I played was like Counter-Strike Condition Zero. Like I was really little, I think I was 12. My dad installed it on the PC and I started playing it. But then I played Minecraft, League of Legends. I created a Minecraft server with my best friend when I was 16 years old during summer. And we earned some money with that project, and I bought my first PC with it. So I had enough, PC was good enough to play Counter-Strike. And then I started playing FPS with that, I've known Nathan since we were 5, and today we are roommates. And he's one of my best friends and his biggest fan. When we were 5 at elementary school, but for the first year we preferred to eat each other. Why I don't know, we just didn't get to get along. After he became like a brother to me. Yeah, I'm very very close with my best friend Thibaut. I got back from Germany and we decided to live in the same flat for a bit. We each have our own way of life, and that fit together perfectly. He wrote me and he's really, really happy. He looked at the match with some friends of mine as well in some bar in Bretagne. I'm really proud. It was a dream for him, and today it's a success. Bah, continue, mon frère, tu vas tout péter. Maintenant, c'est la VCT et on sait que tu vas aller loin. We are in our town for the summer, where we spend our summer every year. At first, I was studying engineer science. I did a license. I did 3 years at university in France. And then I was like, oh, Valorant is coming up soon. And it was during COVID, I guess, that he went off. And I was still in university, but at home, a lot of free time, and I spent it on Valorant.
After that, I went to Germany to continue my master. But then I had the opportunity to join Vitality during my first year of master, so I stopped. My dad was always supporting me, my mom a little bit less. She was kind of saying, oh, too much spending time on PC and stuff, less studying, but now she understands and she's proud of me, they're all proud of me. I knew when I reached kind of the top of Radiant leaderboard in ranked, like, I was like, okay, I can do that, so I have talent, I have good, I'm in good shape, so if I work more, I can be pro player soon. I think I was a pro player before that, but my first contract was with Vitality, so I think I became a pro player with Vitality. When I'm not playing Valorant, I go to a workout like 2 or 3 times per week. I like sports, to be honest. I do some paddle. I follow the football team, like the French football team. I like Netflix. I spend a lot of time on series. I'm streaming a lot. Ouais, les gars, tu duo avec Buddy G. Nathan from Gentlemates. He's my former teammate from Vitality. We love each other because we were in a team together before with Vitality, and we get a bit separated because he had his project, I had mine, so we are not really talking a lot. But obviously, if we have time during holidays or stuff, we would play together. Your little dog, Vlad. Bro, this is why I love this knife. This is why I love this knife. I looked at his messages and yeah, he's really proud of me, and this made me really happy to have a message from him. I would love to face him next year in VCT. How you got signed into Gentlemates? Yeah, definitely I was following Squeezie, Gotaga, Brooks before even I got into the project. They're really well known in France. When I was in high school and I was looking at all his videos, like YouTube videos, I really like him. And Gotaga is such a well-known pro player on Call of Duty. And Brooks is an ex-teammate in the past. So being with them, you know that you're in good hands. Coaching staff brings a lot of stuff to you as a player. My head coach can bring that, but my assistant can bring other things. If you mix all that together, it's making a great team. Hello, what's up? Nathan, he's a crazy man, so in a team, I think we need to equilibrate the power. Valor's calm, Nathan crazy, so we can go equilibrate. Nathan is good support, and he has good vibes too. I think he's one of the craziest players in terms of skills, I think, in Europe, and he always goes for crazy plays. One enemy remaining. One week before the start of the league, I had no team, and yeah, a few days before the league, you need to give the names for the team. And 3 or 4 days before, Gentlemates contacted me. Beyaz and Wheelers contacted me, like, hey, yo, we have a project, would you like to trial with us? And it's something huge. We can't tell you that much about it, but it's something huge. And I said, okay, let's try. It's all done! Gentlemates have made it! The big league's calling their name against all expectations! Welcome to VCT EVA! Gentlemates defy all odds. I can't believe it. It's like you think about all the 7 months before, like all the work you did to come here and to achieve it, you know? Then it's a very, very good feeling of satisfaction, yeah. A
Right now, my immediate goal is to show a good Natong in VCT. I hope we're gonna stay as a team together and reach the top of the league, I hope. Incroyable, mesdames et messieurs, ce petit reportage. Vraiment, vraiment, hop, voilà, incroyable. On va remettre, voilà, on va mettre ça comme ça. Les yeux dans Nathan, du coup, les yeux dans Nathan, très, très stylé. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais voilà, moi, je m'étais régalé à le regarder la première fois et j'avais envie de vous le repartager. Dans le cadre de l'émission, j'ai vu que ouais, vous étiez chaud de toute façon depuis le début du petit clip. Et donc voilà, Natank et les Gentlemates pour vous rappeler donc qui passe de la ligue française à la ligue continentale européenne et donc vont jouer avec les plus grands, notamment Vitality et Carmine Corporation. Ça sera à partir de 2024. Voilà, on les retrouvera du coup sur le grand circuit majuscule. Le grand circuit majuscule justement va se terminer avec les Champions en 2023. Los Angeles nous accueille d'ailleurs pour pouvoir récupérer un petit peu tout ça, mesdames et messieurs. On a bien entendu toutes les équipes avec les groupes qui ont été formés. Je ne résiste pas au plaisir de vous remettre un petit peu tout ça. Avec dans le groupe A, Evil Geniuses, Loud NRJ et Cru Esports. Dans le groupe B, sera Fnatic, FUT. Pas du tout. Autant pour moi. Non, c'était la liste. J'étais en train de lire bêtement. Voilà, on va plutôt faire comme ceci. Current Champions is kicking off on August 6th. Here's what you need to know before the tournament begins. Champions is the global finale of the 2023 Valorant Champions Tour. 16 of the world's best teams will meet in Los Angeles to compete for the title Valorant World Champion. Let's take a look at how each of these teams earned the spots for this event. 9 teams qualified directly into Champions by finishing top 3 within their respective international leagues. 4 more teams earned an invitation through 3 last chance qualifiers hosted by the ILs. Each LCQ qualified 1 team, with the exception of VCT EMEA, who earned the right to qualify 2 teams as a result of Fnatic winning Masters Tokyo. Finally, 3 team representatives from China were selected for champions based on their strong performance at regional tournaments. It's all on the G2! Not yet. Taking place from August 6th through to the 26th, champions will begin with a group stage followed by a double elimination bracket stage. First qualified teams will be sorted into 4 random groups. Each group will play through a 4-team double elimination bracket, with 2 teams emerging from each of the 4 groups. Those 8 teams will then be randomly placed into a double elimination bracket, with teams from the same group being placed on opposite sides of the bracket. Teams will play through each round of the bracket until a single team remains, earning the title of Valorant World Champion. To learn more about champions, check out valorantesports.com and follow our socials voilà, vous l'avez for further compris, updates. Mesdames et messieurs, c'est un petit peu en résumé tout ce dont on avait parlé un petit peu ensemble. Des équipes qui sont issues, 3 équipes de chaque continent, donc avec les points du circuit, 1 Last Chance Qualifier plus 1 de plus pour l'IMEA grâce à Fnatic au Masters de Tokyo. Ils sont mélangés en 4 groupes, que voici d'ailleurs le fameux grouping incroyable du cul. Avec dans le groupe A, d'ailleurs on a déjà les 2 premiers matchs, ça va vous éclairer un petit peu plus. PaperX contre Crew. Edward Gaming contre Giants, ce sera pour le groupe A où on a vraiment pas mal de représentants ici, un petit peu un de chaque continent d'ailleurs.
Groupe B, Evil Geniuses contre FPX et FUT contre T1. Là aussi, ça va être assez intéressant, mesdames et messieurs. Enfin, groupe C, Fnatic contre Zeta Division, NRG contre Bilibili Gaming. Et pour terminer, le groupe D, donc, où on a deux représentants, justement, européens. Team Liquid contre Navi et DRX contre Loud. Voilà qui compose, du coup, cette première partie donc, de Group Stage, qui va se dérouler au Shrine Expo Hall, voilà, l'auditorium Shrine, du 6 au 20 août. Et à partir du 24 au 26 août, ce sera le Kia Forum, la célèbre énorme arène donc, qui va accueillir un petit peu tout ça. On aura donc voilà, un petit peu de braquettes et puis les phases finales donc, qui vont pouvoir se dérouler là-bas dès le groupe de la mort, de la muerte. En effet, c'est le groupe qui n'est pas facile à diagnostiquer. D'ailleurs, je vous rappelle, mais Jean-Claude également, mais pour tous ceux qui nous regardent en direct ou en replay, que l'épisode 116, donc l'émission de la semaine dernière, on avait pu faire des pronos et comparer un petit peu nos pick'em avec la team Horizon Valorant. Je vous invite à aller regarder ça pour avoir voilà, un petit peu toute la teneur de nos pick'em, puisqu'il faut les faire avant que les matchs commencent et même avant que le bracket ne soit révélé. Il me semble que ça doit être bon pour tout le monde maintenant. Du côté des billets, si jamais vous rendez à Los Angeles en physique et que vous voulez assister aux Valorant Champions, eh bien, en fonction de la première partie et également des prestations que vous allez avoir envie, donc voilà des tiers comme ils appellent ça, les premiers, tout premiers billets vont être aux alentours de $40 et jusqu'à $240 pour la meilleure place le jour de la finale. Donc voilà, vous êtes prévenus. Pour un petit peu tout ce qui va être tarif. En parlant justement des dates, etc., on a un petit peu le planning. On va avoir deux matchs par jour, deux matchs au départ et puis trois matchs par jour, comme vous pouvez le voir. Ça va être assez intense. On est sur, si je ne m'abuse, du BO3. À moins que, ça je me souviens plus si dans les groupes on est en BO3 ou en BO1, il y a moyen que ce soit du BO3. Voilà, vous allez en avoir 3 matchs par jour pendant 4 jours, puis ensuite 3 petites journées à 2 matchs. Également, ça c'est sur les phases finales, mesdames et messieurs, avec il y a toujours des petits interludes hein, au milieu, bien entendu. Et sachez que le jeudi 24, le vendredi 25 et le samedi 26 août, eh bien, ce sera les finales bracket upper et demi-finale lower. Finale lower le vendredi et donc la grande finale, ce sera le samedi. Du côté de Berlin, on sera sur un horaire de 21h. Sachez que l'ensemble des matchs donc, va commencer à 21h. Hein, si jamais vous vous posez un petit peu la question. Par rapport à tout ça, on est plutôt sur un espace-temps de 21h pour commencer. Donc c'est un petit peu tard par rapport à nous, mais ça nous laisse le temps voilà, de rentrer du boulot, de rentrer de l'école. Mais non, ça sera en août, il n'y a pas d'école. De rentrer du boulot, voilà, de finir de dîner en famille avant de se caler tranquillement devant les écrans. Sachez que si vous êtes devant vos écrans, justement, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube, il me semble sur Twitch, hein, que ça marche que sur Twitch, des drops gratuits, encore une fois, du contenu gratuit. Vous regardez la compétition pendant une heure ou plus, pendant toutes les phases d'ouverture, excepté la finale, vous allez recevoir ce petit spray. Il y a aussi des... Ah ben non, autant pour moi, on a plus d'infos. J'avais mon speech habituel dans la tête. Donc, si vous regardez une heure pendant du 6 au 13 août, vous avez un petit titre qui s'appelle Low Rider. Du 13 au 25, donc juste avant la finale, vous aurez le spray, justement, LA, voilà. Et vous aurez la carte, donc, si vous regardez la finale, hein, le jour de la finale, le 26. Du côté de cette finale-là, On parle de cash prize et on parle d'$1 million, mesdames et messieurs, $1 million
tout simplement pour la première team. Savoir que, en général, les gains sont divisés en 5, voire en 5 pour les joueurs, voire en 6-7 pour le staff proche. Donc, ça fait pas mal de cash. Deuxième position, ce sera 400 000 $, ce qui fait énormément d'argent également. Troisième position, 250 000, 130 000 pour les quatrièmes. Cinquième et sixième position avec 85 000 $. Septième et huitième place, 50 000. Et du 9 au 12, c'est 30 000. Et du 13 au 16, c'est 20 000 $. Donc, vous l'avez compris, on n'est pas là pour gagner 20 000 $ pour les équipes. Mais sachez que même si vous perdez tous vos matchs, eh bien vous avez quand même gagné 20 000 $ pour la team. Ce qui est plutôt pas mal pour ces VCT Champions 2023, donc qui se dérouleront à Los Angeles. Pour le futur, on a d'habitude pas mal de petites suspicions de « alors voilà, les Champions, les Masters, où est-ce que ça va se dérouler, etc. 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 » Cette fois-ci, on a l'annonce officielle en avance, les Masters 2024 seront a priori uniques, comme cette année à Tokyo, et se dérouleraient à Shanghai. On va regarder ça, parce qu'il me semble qu'on a une petite vidéo. Écoutez, c'est parti. Hello, 大家好. I'm Leo, the global head of Valorant Esports. We are very excited that Valorant is finally available in China. And equally excited to welcome all of you to the VCT. From day one, we aspire to build a sport that's truly global, with teams, players, and fans from all over the world. With Chinese teams starting to participate in our global events, including an amazing run from EDG and Masters Tokyo, we have seen how amazing and promising the community is in China. To show our appreciation and to celebrate the one-year anniversary of Valorant in China next year, we are very excited to bring Masters to Shanghai. 2024 will be a special year for the VCT, and we're happy to have all of you be part of it with us. Thank you, and I'll see you there. Voilà, plutôt cool d'avoir les annonces en avance pour les Masters donc 2024 de Shanghai. C'est plutôt, voilà, plutôt sympa, plutôt cool, en sachant également qu'en 2024, nous aurons l'apparition des premiers skins d'armes à l'effigie des équipes, et ce qui veut dire que, eh bien, on va avoir sans doute une arme à l'effigie de la team Gentlemates. Team Liquid, Vitality, Carmine, Fnatic et plein d'autres partout sur la planète. Vous allez pouvoir vous régaler avec ceci. Je vous remets le prototype de Vandal qui a fuité niveau de l'équipe Sentinels, hein, du côté Nord-Amérique, avec une belle Vandal, effectivement. Je saurais pas vraiment les décrire. Il y a des petits tuyaux, ça reste un design assez futuriste. C'est moitié RGX, moitié, je sais pas trop, ouais, on dirait un petit peu la Blade de la Vandal RGX, de la collection RGX. Ça se rapproche un petit peu de ça. Il y a des petits tuyaux, c'est un peu futuriste, c'est assez stylé. Donc voilà, à voir pour 2024. Également 2024, je reprends une news de Léo Faria, donc, que vous avez pu voir juste avant dans la vidéo, donc à la tête de l'eSport Valorant Monde, qui a reconfirmé que effectivement les équipes donc, qui sont montées de VCL en VCT restent 2 ans et vont redescendre a priori, à moins que Riot donc ne décide de les conserver là-haut pour plusieurs raisons, en sachant que on attend un certain standard envers ces équipes qu'ils appellent partenaires donc, et on doit conserver une scène qui est tout à fait cohérente, bien entendu, pour pouvoir avoir un maximum d'équipes compétitives à haut niveau, vous l'avez compris. Mais voilà, c'est bel et bien 2 ans et une petite redescente, à moins que performance exceptionnelle, je l'imagine. Voilà
Mesdames et messieurs, pour cette scène internationale, il y avait beaucoup de choses, hein, bien entendu, il y avait beaucoup, beaucoup de choses. Grosse émission, je vous l'avais dit. On va passer à la scène FR qui est toute petite, petite, mais on va quand même y aller. Allez, c'est parti. Scène FR, voilà, les assets sont déjà prêts. Ça bosse chez le cylindre, les amis. Ça bosse fort, comme on dit. Dans le métier, juste une petite news rapide. Donc, c'est Champions qui vont nous occuper voilà, quasiment tout le mois d'août. J'espère qu'ils auront un son différent pour les skins. Alors, a priori, c'est un modèle 3D déjà, différent de l'arme de base, mais possiblement tous le même modèle 3D pour toutes les équipes, pour les 33 équipes, donc. Du VCT 2024. A priori, ouais, je pense qu'il y aura des VFX, il y aura pas mal de choses, puisque l'argent va moitié partir du côté de Riot, moitié partir du côté des équipes. C'est un petit peu ça, l'objet derrière, c'est que voilà, les équipes puissent récupérer du cash directement de leurs fans, de la fanbase, et c'est tout à fait normal. Petit tour du roster des casteurs français, casteuses également, que vous aurez le plaisir d'entendre pendant ces Champions. On va retrouver quasiment tous ceux qui tournent déjà hein, sur Valorant underscore FR, anciennement Val League, anciennement 1P Valorant, Ita, Hero, Binet, Weeper, Isto, Loki, MH, Apollo, Fatih, Kitty et Chetwan. Donc voilà, pas d'énormes surprises par rapport à ça. Du côté du calendrier, un seul événement arrive dans le futur avec une date qui est toujours un petit peu inconnue, la Coupe de France de Valorant, mais qui pourrait avoir lieu plutôt aux alentours de septembre, après justement les Champions, à voir un petit peu si ça peut être pertinent ou pas. De faire un event aussitôt, on verra, mais en tout cas j'espère que la scène française sera là, dans la mesure où, comme vous vous souvenez dans les émissions précédentes, je vous avais parlé des différents rosters qui sont en train de se déliter. On a plus de Solari par exemple, F9 Ethic qui a également laissé son roster tout seul. Il y a pas mal de mouvements, c'est un petit peu inquiétant hein, du côté de cette scène FR pour 2024, notamment la VCL France Révolution pourrait être un petit peu plus triste ou net que ne l'était 2023. On verra. Écoutez, on verra un petit peu ce qu'il en est de ce côté-là. Je vous propose de terminer l'émission. C'est tout, hein, c'est tout pour la scène FR. Il y avait très très peu de choses. Je propose de terminer l'émission avec l'agenda de la semaine. Et c'est parti. Hop, agenda de la semaine, mesdames et messieurs. On va faire comme ça. Agenda de la semaine, que faut-il regarder? Que faut-il jouer? Tout doux bijou. Voilà, reviens là. Et oui, voilà, ça marche mieux. Et quand la console fonctionne mieux, c'est toujours pas mal. C'est toujours mieux. C'est toujours pas mal, ça n'existe pas, mesdames et messieurs. Ce qu'il faut jouer, ce qu'il faut regarder, ce qu'il faut faire pour du Valorant. C'est l'absence de match qui les pousse à peut-être pas garder les joueurs jusqu'au prochain tournoi 2024. Bah, c'est vrai que typiquement, là, on a arrêté la compétition. Jean-Claude, tu as raison. On a arrêté la compétition aux alentours de juin-juillet hein, pour les Français. Et ça veut dire que jusqu'à janvier-février 2024, les équipes, elles vont être payées, mais elles vont pas jouer. Elles vont pas jouer, à moins qu'on ait une solide, on ait une solide stratégie marketing avec des joueurs qui vont streamer, des joueurs qui vont rapporter un petit peu de cash avec du sponsoring, pas mal de petites choses comme ça. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. Effectivement, c'est peut-être plus pertinent en termes financiers d'attendre le début de la saison, de re-signer les joueurs. Un petit peu comme on peut juste avant le début et puis de rouler, effectivement, mais c'est un petit peu triste, mesdames et messieurs. Tournoi The Crew
qui va avoir lieu. Alors, qui va avoir lieu sous peu d'ailleurs, puisque on a jusqu'à ce soir pour s'inscrire. Tournoi moitié offline, moitié online, avec les phases justement de groupe stage. Il me semble que c'est de la ronde suisse d'ailleurs. Et ça attaque le 17. Attendez, j'ai même plus les infos, ça va plus. D'autant plus que, en plus, je serai observateur sur les phases finales de ce tournoi-là. Donc, vous me retrouverez à l'observation. Hop là. 17-9, ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon du tout. Je les ai plus. 17-9, mais non, ça n'a aucun sens. Je les retrouverai, mesdames et messieurs, mais sachez que si vous n'êtes pas encore inscrit, vous avez un petit cash prize de 500 euros à aller chercher, plus les inscriptions participatives, bien entendu, une finale en LAN qui se déroulera le 2 septembre d'ailleurs, et sur laquelle j'aurai le plaisir de d'aller observer un petit peu. Donc ça devrait être stylé. Hello, je suis. Merci pour le follow. Donc voilà pour le premier tournoi, mesdames et messieurs. Pour le deuxième tournoi, on va être sur les Valorant Champions. Tout simplement, ça commence ce dimanche. Ce sera le premier jour de compétition. Hein, donc, dimanche 6 août. N'hésitez pas à aller regarder un petit peu les ouvertures. Je pense qu'il y aura aussi un petit peu de... une petite cérémonie d'ouverture. Il y a toujours pas mal de choses. Et puis, il y a toujours du contenu intéressant à aller regarder. Les petits drops également. N'oubliez pas les petits drops pour pouvoir récupérer du contenu gratuit également. Voilà pour... l'agenda de la semaine, il est très très rapide, bien entendu. On est vraiment dans des phases creuses en ce moment hein, de Valorant, donc il y a beaucoup moins d'infos. Mais vous l'avez compris, le contenu principal, l'intérêt, l'attraction principale, ce sont les VCT Champions 2023, donc à partir de dimanche. Mesdames et messieurs, voici qui conclut cette émission numéro 117 du Valo Hebdo. On se retrouve... comme d'habitude, tous les mercredis, mesdames et messieurs, sur twitch.tv/lecylindre en live. Si jamais vous êtes abonné à la chaîne ou si vous souhaitez vous abonner à la chaîne, vous allez pouvoir récupérer le replay immédiatement, dans quelques minutes, et revoir les épisodes précédents également. Vous allez pouvoir aussi récupérer tout ceci en audio, en podcast. Si jamais c'est votre, bail, vous allez simplement pouvoir faire exclamation podcast dans le chat et vous allez pouvoir récupérer le lien de toutes les plateformes Apple Podcasts, Google, Spotify, Deezer, SoundCloud, Amazon Music, Audible, iTunes, ainsi que toutes les autres. C'est gratuit, n'hésitez pas à vous abonner, c'est tout simplement gratuit. Merci Kenny pour le petit lien, également pour la VOD YouTube qui arrive, en général c'est dans quelques jours, ce sera aux alentours de samedi, dimanche, exclamation VOD, merci Wetfay, qui vous permet de retrouver aussi les replays YouTube de toutes les émissions précédentes, quasiment les 116 épisodes précédents. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. Vous avez été très nombreux une fois de plus aujourd'hui, ce jeudi, une fois n'est pas coutume, hein, puisqu'on se donne rendez-vous mercredi prochain pour l'épisode 118 du Valo Hebdo. Passez une excellente soirée, mesdames et messieurs. Je vous dis à très très bientôt. Des bisous.